chapitre 1, c'est pour, n'est-ce pas, renforcer nos liens d'amitié, de fraternité avec ce pays et ce peuple du Burundi. En tant que République d'Angola, nous pensons que nos relations bilatérales, qui sont déjà excellentes, ont aussi besoin d'être approfondies à travers des visites qui ont déjà eu lieu dans le passé et que nous continuons aujourd'hui. Nous venons d'avoir l'honneur d'être reçus par le président de la République. Ce matin, nous avons travaillé avec mon collègue, le ministre des Affaires étrangères. Nous avons travaillé sur nos relations bilatérales et nous avons donc profité de cette occasion pour présenter le nouveau secrétaire exécutif de la Conférence internationale des Grands Lacs auprès du président de la République. Comme vous savez, le Burundi ayant le siège de l'organisation, pour nous, c'est vraiment la ligne de front pour la région des Grands Lacs. Et nous pensons que ce rôle que le Burundi joue à ce sujet doit être reconnu par nous tous. Et c'est donc avec tous les respects que nous sommes venus pour ne pas envoyer seul le secrétaire exécutif, profitant du renforcement de nos relations, et de venir le présenter auprès des autorités burundaises et sur lesquelles sûrement il compte pour accomplir la mission de continuité du travail excellent qui a été fait par son prédécesseur.